Bonjour, bonjour les amis, c'est Margot et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle chronique, une semaine, une astuce pour la planète. Pour qu'un changement soit durable, il faut qu'il s'articule de manière réfléchie et organisée, étape par étape. Parce qu'on peut tout, on peut pas tout changer du jour au lendemain. Alors que si on se concentre par exemple sur une problématique chaque mois, eh bien on peut prendre le temps de s'informer, de trouver les alternatives qui nous conviennent et de mettre en place petit à petit les choses. Et comme je suis là pour vous guider, j'ai décidé de vous proposer à chaque début de mois de vous lancer à nos côtés dans un petit défi éco-responsable. Il se peut même qu'il y ait des petites récompenses de temps en temps, toujours dans le but de vous encourager à agir collectivement et personnellement pour notre belle planète. Alors pour le mois de juin, que diriez-vous si on essayait de réduire les déchets de notre salle de bain? Il faut bien commencer quelque part, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un espace où il est plus ou moins facile de trouver des alternatives pour réduire ces déchets. Et puis c'est une petite pièce, donc on peut essayer de faire des choses assez rapidement. Je vous mets donc en description une petite liste non exhaustive des alternatives que l'on peut imaginer ou trouver sur le marché. Et bien sûr, je vous laisse nous partager en commentaire vos retours, des photos de vos alternatives préférées ou encore vos propres astuces pour réduire nos déchets dans la salle de bain. N'hésitez pas à utiliser le hashtag ChallengeRoModer sur Facebook, Instagram et ou LinkedIn pour qu'on puisse comptabiliser vos participations. D'ailleurs, la semaine prochaine, on continue à vous donner des pistes puisque je pars vous faire découvrir un artisan romanais qui pourrait bien vous aider à faire les bons choix. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour encore de nouvelles infos et astuces éco-responsables. Bonne journée à tous et n'oubliez pas, chaque geste compte.